Et te conseiller
l'avant-propos à l'anticoncept de Gilles J. Volman. Soit X, l'originel, tout art pose l'équation élémentaire mouvement de X. Géniteur du cinématographe, mouvement de la photographie. Émile Reynaud écrit le mouvement sur l'écran avec des photographies successivement prises et projetées à un rythme donné. Les frères Lumière simplifient ce processus en photographiant directement le mouvement. Un art évolue en multipliant son origine par des éléments qui lui sont spécifiques. L'évolution du cinématographe est marquée par la variation optique et du mouvement et leur combinaison, gros et autres plans. En 1896, Promio donne une deuxième dimension au mouvement en introduisant les premiers travelling. Ainsi muni de ses moyens spécifiques, le cinématographe commence à exprimer une réalité nouvelle par une stylisation originale. Il produit quelques chefs-d'œuvre. Puis, sans reposer le problème avec le parlant, perfectionne sa technique sur le critère de la précision au point tel qu'il cesse d'interpréter pour reproduire la réalité réelle ou romanesque. Le cinématographe en était là quand, en 1951, Izu détruit la photographie au profit du son. Et l'on voyait, étonné, une pêche en mer des plus banales, par exemple, prendre un relief inaccoutumé par une histoire d'amour qui se déroulait sur la piste sonore. La même année, Gilles J. Volman fait son premier film cinématochrone qu'il appelle en abréviation et pour marquer la différence avec le cinématographe, Atochrone. Volman décompose la seconde par 24. Il rend ainsi une image autonome qui, en dehors de tout symbolisme, devient l'élément de la propagation du mouvement à l'extérieur de la photographie. Asynchrone au déroulement de la narration atonique, ce nouveau mouvement antithétique désapprouve chaque inflexion vocale. Et commence un art nouveau. Je t'aime. Je ne t'aime plus. Il en aime une autre. Sous le masque, elle doit être jolie. Elle doit être laide. Théorème. Il n'est pas de négation qui ne s'affirme ailleurs. La négation est le terme transitoire à une période nouvelle. La négation du concept, intrinsèque, immuable a priori, projette ce concept en dehors de la matière, le révèle a posteriori à une réaction extrinsèque, devient muable par autant de réactions.
C'est fini le temps des poètes. Aujourd'hui, je dors. Biodo, qu'est-ce qu'il reste comme bande? 2 mètres environ. Ça va, j'ai terminé. Coupé. 25 septembre 1951. L'anticoncept. Première œuvre atochrone de Gilles J. Volman. Tritz! Tritz hop! Tritz hop! Tritz hop! Oh Wilkton! 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 Oh Gizil Tagazeli! Oh Wilkton! Gizil Gizil Gizil! Oh Wilkton! Gizil Gizil Gizil! Oh Wilkton! Gizil Gizil Gizil! Gizil Gizil Gizil! Oh Wilkton! Oh Wilkton! Oh Wilkton! Gizel! Dalaganuel Tagazeli! Oh Wilkton! 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 Glasgow! 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 Oh Wilkton! Glasgow! Wilkton! 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 Blum 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 Wilkton, oh 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 Wilkton, ceux qui inventent n'ont jamais vécu. Les personnages de cette œuvre. A-E-I-O, A-E-I-O, A-E-O-U, A-E-E-O, A-E-O-U, A-E-O-U, A-E-E-O. Ceux qui inventent n'ont jamais vécu. Je voudrais courir toute la vie. Le gangster et sa victime. Vous dites? Monique, vous, elle, toi,
sont réels. Certains existent, les autres ne sauraient tarder. Nous avons créé des règles arbitraires. Nous avons joué à l'amour dans un univers parallèle, sans eau. Joué. Nous avons oublié de vivre. Et je pratique la respiration artificielle. Personnalité à usage externe. Poète. Un mot pourri. Pucelle. Aux allures de pute. Le noir vous va bien. Nous laisserons la légende prendre le pas à Saint-Germain-des-Prés pour les touristes des autres quartiers. T'as pas une sèche? Tu payes un pot? Une carcasse énorme de ferraille coule sur un lent tempo. Je ne peux pas vous aimer, j'en aime un autre. Qui avait-il à répliquer à cette logique rigoureuse? Yoshkvarna, Yoin Shopping, Mjölby, Norrköping, Stockholm. Il ne pleut peut-être pas toujours en Suède. Taxa, 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 taxa. Seul, il déblaya jusqu'à la découverte des paroxysmes au lieu, dit le cœur, plusieurs brûlures à froid des sensibilités orgiaques. Une succédant, elle doublait la précédente avec la désinvolture d'une habitude. Cela dura, je traversais sans retour. À l'origine, ma vie est un couloir sans image, et tant qu'à faire, dans l'ordre des choses, j'accepte les nuances. Un homme donne dans sa langue des noms d'enfants et du pain aux pigeons avec un bras mécanique. La nuit vient sans qu'on s'en aperçoive. Je marche pieds nus sur la plage. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il grimaçait au contact des galets. J'assume l'essor vindicatif de l'amour pris au jeu de la vision docile. Pourtant, ça n'était pas si simple. La vérité, c'est qu'il parlait aux filles. Il aimait qu'elles sachent, pour ensuite deviner ses silences. Et il leur rendait infinitésimal chaque souffle. Il pouvait grandir un paix jusqu'aux étoiles. Un paix jusqu'aux étoiles. L'art
décadre la personnalité émotive. La création se dédouble de la pourriture, plus la création. Je tourne sur la trajectoire périmée des nuits froissées par 4D... Il récapitulait les intempéries avec une précision mathématique, les alliances de son ventre, il vivait des extrémités parallèles sans condition. Le ciel bouge. Je n'ai jamais pu détacher les nuages de l'idée du ciel. Il pleut vers 11 heures. Une femme ivre demande du feu. Il pleut contre la fenêtre quelque part sur un autre continent. Des partenaires entrent dans l'alternat des clichés. Tu disparais dans la finalité amoureuse. Le ciel bouge. Je rejette le tranché. Le neige d'Aïda. Le ciel. Il pleut. Vers 11 heures. La femme meurt. Il pleut. Contre la fenêtre, gagne pas. Des portes de rentre dans l'alterne le cliché du disparaît. Il la retrouva sans déformation apparente. Les mêmes yeux, dans la même pâleur entre deux vies. Seulement, elle était devenue plus fragile. Au premier confin tactile, elle rompait la pudeur. Après, il lui donnait la nuit dans la paume pour s'isoler. Nous allons tout perdre. Nous ne sommes plus des enfants. Mais si, mais si. Et il comptait jusqu'à 50, le temps de refouler ses veines. Depuis, ils avaient tous deux pris du ventre. À la démarche d'orang-outan a fait ça, la patte sur la gueule du petit homme chétif écroulé dans un coin de la cave. Un œil sorti de l'orbite et du sang frais afflua pour se perdre en filets minces sur la chemise de soie blanche. Tu vas parler ? Je dis bonheur. Le couple prend sa revanche et franchit la réalité devient réelle. L'homme naît vieillard, meurt fœtus. Quel programme ! L'homme naît vieillard, meurt fœtus.
Une aube, je coupe les halles à pas parcimonieux. Aller-retour. Tu es réveillée, belle, et tu t'es déjà lavé les dents. Quand les amoureux ne savent pas qu'ils sont des amants, ils font l'amour avec des mouvements sans importance. Ils font l'amour avec... Il est volé. Chaque fille, à bout portant. Il était un asthmatique. Il avait un poumon d'acier. Pour l'hygiène, je finis la nuit avec une prostituée vieille, très laide. J'épilogue sur des rudiments indissolubles au déroulement des faits. Il accentuait les équivoques jusqu'à l'outrance de la désolation. Je fossoie ton ventre avec des mains liées. Je t'asphyxie. Nous partageons de l'air vicié. Je tire la chasse sur ma mémoire syphoïde. Persiste un relent de merde. Ah, 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 ah. Te ressemble et me tient sa bouche en haleine près des ruines. Elle parle avec tes mots, renouvelle les situations passées. La vie n'est pas rétrospective. Ay, ay, ay.
Oh.